On va commencer tout simplement par un exercice de gainage et ça va démarrer dans 15 secondes. Donc, on se met en position de planche. Deux, un, c'est parti. Donc, on essaye de bien serrer au niveau des abdos, bien contracter au niveau des fessiers. Respirez bien. Bonjour Olympe. Ça va être la star de la soirée, je crois. Ok, super. C'est bon. Relâchez. 20 secondes de récupération. On va passer sur le côté droit. Donc vous allez vous mettre en appui sur le coude. Ok. On maintient simplement la position. Levez bien vos fessiers. Voilà. Vous pouvez tendre le bras au-dessus de votre tête. Restez bien gainé, bien rigide. Serrez tout ça. J'essaye d'être le plus stade possible. Relâchez. Le prochain sera exactement le même sur le côté gauche. Donc là, pour l'instant, vous l'avez compris, on part tranquillement et au fur et à mesure, les difficultés augmenteront. Allez, c'est parti. Côté gauche. Donc tous ces exercices de gainage sont vraiment importants pour le runner, pour le trailer, mais pour tous les sportifs en général. Plus vous serez gainé, moins vous aurez de pertes lorsque vous poserez vos appuis au sol, moins il y aura de force qui partiront sur les côtés et plus ce sera restitué dans l'axe. C'est tout l'intérêt de ces exercices. Ok. Et le dernier, on va simplement se mettre sur les épaules et lever les fessiers, deux appuis au sol pour les jambes. Donc ça va vous paraître relativement simple. Il n'y a pas de problème, on commence juste la séance. Allez, c'est parti et poussez. Verrouillez bien vos fessiers. Soufflez bien. Je maintiens la position. Je serre au niveau des fesses. Je contracte au niveau abdominal. Ok, super. On vient de faire quatre exercices. On va répéter ça trois fois et ensuite on fera trois séries comme ça. On va repasser en gainage exactement comme tout à l'heure. Et c'est parti. 4 points d'appui, les deux coudes, les deux pointes de pied. Je serre bien au niveau abdominal.
Pas de tension au niveau de la nuque. Ok, super. On va passer sur la droite dans 15 secondes. Je vois qu'il y a notre ami Rété qui est dans la place. Allez, c'est parti. Pour ceux qui seront là samedi matin à 10 h, je vous proposerai un hit un petit peu plus cardio. Si vous avez une corde à sauter, vous pouvez la préparer. D'habitude, à la Team Trail 17, on s'entraîne beaucoup plus tôt que ça le samedi. Mais bon, confinement oblige à en profiter pour faire un petit peu de la grasse mat. C'est pour ça que je vous donne rendez-vous à 10 h. Allez, vous êtes prêts pour le côté gauche? C'est parti. Ok, super. On passe sur le dos. Même exercice que tout à l'heure. Alors pour ceux qui ne pratiquent pas la PPG, je vous invite vraiment à faire ça de manière régulière, sans forcément y passer énormément de temps. Mais des petites séances de 20 minutes. 2, 3 fois par semaine, ça peut vous remplacer un bon petit footing et ça vous permettra d'être beaucoup plus costaud. Et de manière générale, si ça devient un complément pour vous, allez, dernier circuit, et on aura bouclé la première série. Si toutefois les 45 secondes sont un petit peu compliquées pour vous, plutôt que de mal faire l'exercice, excusez-moi là, allez, gainage. Vous prendrez, dès que vous tremblez un petit peu trop, que vous n'êtes plus en position, vous arrêtez. Vous prenez un peu plus de récup et vous nous rejoignez sur l'exercice d'après. Il n'y a pas de souci. Soufflez bien. Ok, super. Ok, y a notre secrétaire qui est là. Toujours une connerie à raconter. Allez, vous êtes prêts? Côté droit.
C'est parti. Alors souvent, hein, les gainages coudes posent pas souvent de problème. Ce qu'on appelle la planche, dès qu'on passe sur les gainages latéraux, ça peut commencer à devenir un petit peu plus problématique. Donc là, c'est vraiment les obliques qui travaillent. Ok. On va passer sur la gauche. Dans 5 secondes. Ok. Voilà. Essayez de bien maintenir la position, bien verrouiller les fessiers. Plus de 10 secondes. Allez, on tient. C'est bon. On va passer sur le dos. Et ensuite, on aura le droit à 1 minute de récupération complète avant d'attaquer la deuxième série. Allez. C'est parti. Qu'est-ce qui se passe, Olympe? Hein? Allez, verrouillez bien au niveau fessier. Ok, relâchez. On a 1 minute de récupération complète. Vous pensez à boire, bien entendu. Donc, je vais vous proposer exactement les mêmes exercices. Sauf, enfin, la même base d'exercice, un gainage de face, gainage de dos et deux gainages de côté, comme on vient de faire, mais je vais vous apporter un petit peu de variation dynamique sur ces gainages, qui veut dire un petit peu d'instabilité et donc, normalement, qui devrait augmenter un petit peu. Allez, vous êtes prêts? Allez, gainage coude. Et vous allez simplement soulever, taper pointe de pied. Cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Je ramène coude droit, genou gauche, jambe gauche. Un, deux, trois, quatre, cinq. 6, 7, 8, 9, 10, coude, coude. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, relâchez. On va passer sur le gainage latéral. Et cette fois-ci, le bassin va venir passer au contact du sol et remonter en position. Allez, vous êtes prêts?
Ok, baissez, montez. Maintenez bien en haut, une ou deux secondes, je verrouille, je relâche. Ok, relâchez. On va passer sur le côté gauche et on va faire la même chose. Salut Seb. Allez, vous êtes prêts? On est parti. Attention à votre position finale, toujours. Je descends, mais quand je remonte et que je verrouille, une ou deux secondes, je suis bien propre, bien positionné. Allez, maintenez en haut. Je maintiens. Ok. Je vais passer sur le point d'appui comme tout à l'heure. Sauf que cette fois-ci, je lèverai en alternance jambe gauche et jambe droite. J'aurai plus que trois points d'appui. Allez. C'est parti. Tendez jambe droite. Pliez. Gauche, plié. Ok, super. Pas plus compliqué que ça. La jambe qui ne monte pas plus haut. Elle reste bien dans l'axe de la jambe opposée. Et par contre, je suis toujours bien verrouillé sur mes fessiers. Jambe droite, maintenez. Ok, relâchez. On va repasser en gainage de face, comme tout à l'heure. Cette fois-ci, les appuis vont partir sur les côtés. Au lieu de taper dans l'alignement, vous allez aller chercher côté, côté. Côté, côté. Allez, c'est parti. Neuf, dix, genoux, genoux. Un, deux. Genoux, genoux. Ok, super. On va passer sur le gainage. Côté droit, ça va toujours? Oh, il y a Denis. Denis, une grosse pensée, forcément. Denis qui est chirurgien à la clinique Pasteur. Avec, allez, comme tout à l'heure. Denis qui est chirurgien à la clinique Pasteur et en ce moment ils se font des nœuds au cerveau avec Steve Nobili aussi qui est chirurgien lui aussi là-bas et on a je vais essayer d'oublier personne parce qu'on a beaucoup de personnes dans la clinique donc Nico, Chouchou et Jean-Mi qui font partie aussi qui sont assistants anesthésistes et on a deux personnes dans le médical,
en pharmacie. Nico Oliva et Stéphanie. Ok, c'est bon. Et je sais qu'en ce moment, ou j'imagine du moins, que c'est pas facile pour eux. En tout cas, on les remercie pour tout l'investissement qu'ils font pour essayer de soigner un maximum de personnes. Allez, vous êtes prêts, côté gauche? Allez. Pareil que tout à l'heure, vous descendez et vous remontez. Pensez à verrouiller une ou deux secondes en haut. Allez, on s'accroche. On va passer sur le dos. Et comme tout à l'heure, allez, position. Allez, je tends jambe droite. Restez. La jambe bien dans l'alignement, les deux cuisses en alignement. Posez. Levez jambe gauche. Restez. Soufflez bien. Relâchez. L'autre jambe. Allez, des petits appuis brefs. Go. Je tends. Verrouillez bien les fessiers. Soufflez bien. Ok, super. Et on va faire dernier tour de ces quatre exercices. Ce qui bouclera la deuxième série. Vous êtes prêts? Allez, gainage. Côté. 1, 2, 3, 4. Coude. Coude, 1, 2, 3, 4, coude, coude. Attention à la position quand le genou vient au contact du coude. Pas de toit, pas de fesses qui se lèvent. Allez, on peut mettre un peu de rythme. On commence à être chaud. 1, 2, 3, 4, je double à droite. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, ok, super. Est-ce que ça va toujours? Salut Valérie, Valérie Murat dans la place. Allez, gainage côté droit comme tout à l'heure. Restez en position. On va lever la jambe gauche, petit, petit, restez, petit, petit, restez. Si c'est trop dur que la position, restez en position, pas de déformation, petit, petit. Restez, petit, petit. Ok, super. Normalement, ça doit vous rajouter un petit peu. JB, il est là, JB. Allez, vous êtes prêts pour le côté gauche? Allez. Petit, petit, restez. Ok, je lève, jambe droite, je reste.
Petit, petit, je reste. Petit, petit, je reste. Allez, je tiens. Si vous pouvez enchaîner les petits ciseaux, vous en privez pas, mais restez bien gainé. Ok, super. Je passe sur le dos. Il nous reste moins de 15 minutes. Récupération comprise. Allez, sur le dos. Allez, je serre les fessiers. Et des appuis très courts. Allez. Je tends la jambe, je reste. Relâchez. Tendez. Restez. Bien dans l'axe, la cuisse avec l'autre. Les fesses bien serrées. Posez. Tendez. Restez. Posez. Tendez. Ok, super. Une minute de récupération. Et ensuite, dernière série. Toujours avec les petites variations. Allez, 30 secondes de récupération passive. Donc sur le premier exercice, on va se mettre en position de gainage, coude, comme tout à l'heure, sauf que là, on ne va pas taper de droite et de gauche, ça va être que des enchaînements, coude, genou, en alternance, droite, gauche. Toujours temps d'effort 45 secondes, temps de récupération 20 secondes. Allez, c'est parti! Allez, coude, coude, je maintiens le rythme, je fais attention à ma position, j'ai le bassin qui ne bouge pas, soufflez bien. Si c'est trop dur, vous restez en position. Ok. On va passer en gainage de côté. Commence à faire chaud. On voit que l'échauffement est juste terminé. On va passer gainage droit. Position. Le genou 90 qui vient à la hauteur. Comme une araignée. Voilà. À votre rythme. Je maintiens bien la position. Je n'écroule pas. Ok. Ma chérie qui est juste à côté de moi, qui vient juste d'en faire une de plus que moi, histoire de me montrer qu'elle est encore là. Allez, vous êtes prêts? Allez, chacun à son rythme. On se fait plaisir. Aïe. Cette fois-ci, c'est la jambe droite qui vient.
Allez, accrochez-vous. Pour le prochain, on se mettra plat ventre. On va faire le Superman. On va simplement lever les bras et lever les pieds. Soufflez bien. Voilà. Pas de tension au niveau de la nuque. Oh, pardon. Soufflez bien. Serrez bien au niveau des fessiers, au niveau lombaire. Allez, résistez. Ok. Allez, plus que deux tours. On s'accroche. On reprend exactement le même exercice que tout à l'heure. Dans 5 secondes. Allez, vous êtes prêts? Allez. Le genou doit vraiment effleurer le sol pour vous permettre de ne pas trop changer de position. Ok, super. On a installé sur le tapis un petit peu inconfortable de la salle à manger. D'habitude, on prend l'apéro à cet endroit-là, c'est vachement plus simple. Allez, vous êtes prêts? Go! Allez, comme tout à l'heure, si vous pouvez, le genou qui vient, qui monte à 90 degrés. Et si vous ne pouvez pas, vous maintenez simplement la position. À vous de vous gérer. Le plus important reste le gainage de base. Ok. On va passer sur la gauche. Allez, accrochez-vous. C'est là qu'on fait la différence. Il faut vous blinder mentalement. Vous êtes capable d'aller beaucoup plus loin que ce que vous le pensez. Et c'est vrai aussi en course. Ok, super. On passe sur le dos. Soufflez bien, il ne restera plus qu'un tour et je vous annoncerai à la fin du tour. Allez,
La question Allez, tendez. Allez, tendez les jambes de manière alternée. Restez. Levez la jambe. Laissez. Posez. Tendez. Levez. Ok, on y va. Décomposez bien le mouvement. Serrez bien le fessier. Ok. Et le dernier tour. Allez, on va tenter le rowing. Au lieu d'être en gainage coude, on va se mettre carrément en appui sur les mains comme si on allait partir en position de pompe. Même exercice que tout à l'heure. Allez, vous êtes prêts? Et allez. Essayez de vous caler pour tenir 45 secondes. Allez, accrochez-vous. Soufflez bien. 10 secondes. Ok. Vous avachissez pas sur vos tapis. Je vous vois. On va partir en gainage droit. Allez, vous êtes prêts? On y va. Allez, petit ciseau, araignée. Ciseau, araignée. Ciseau. Allez, on continue. Allez, s'accroche. Ok. Il nous reste le gainage côté gauche. Et le Superman en or a fini pour cette petite séance. Je commence à peine à transpirer. Allez, vous êtes prêts? C'est bon ça, on s'accroche. Allez, ciseaux, le coude, le genou. Araignée. Et si vous commencez à sentir que la position est vraiment trop dure, vous maintenez la position plutôt que de mal faire. Je garde le bon gainage de côté. Ok. Il nous reste 45 secondes d'effort. Et après, je vous pose la question, le premier hors club, on va se mettre sur le ventre pour faire le Superman. Allez, c'est parti. Et vous pouvez essayer d'alterner, lever, jambe gauche, jambe bras droit, bras gauche, jambe droite, en croisé. De manière alternative. Allez, accrochez-vous. Il vous reste 20 secondes. Et après, je vous fous la paix.
Ok, super. Soufflez. Mettez-vous devant. Levez-vous. Vous buvez juste un petit coup. Et je vais vous énoncer la question. Et vous allez vous mettre en face de moi. Il y a toujours la série du coach. Parce que le problème, c'est que pendant les séances, il y en a qui font toujours les couillons. Donc Nico Dupas, Christophe Machquet, et après il y a tous les autres qui sont à peu près sérieux à côté. Mais pour eux, je rajoute toujours une série forcément. Allez, en position squat. Je vous annonce la question, le premier à répondre en commentaire sous cette vidéo hors club a gagné le droit de venir partager quelques petits entraînements, bien entendu s'il en a envie, avec nous lorsque ce confinement sera terminé. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, squat. Donc comme vous le savez, nous avons réalisé 3 séries. 4 exercices par série multipliés par 3. 45 secondes d'effort, 20 secondes de récupération, 1 minute de récupération intersérie. La question est la suivante. Restez en bas. Eh oui, pour la question, reste en bas. Quel a été le nombre de temps d'effort que vous avez passé en gainage? Levez. Allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et le dernier, félicitations à vous!